L'étape de la formation en matériel de volet et puis fabrication de savon liquide en dehors des jeunes de tous les centres de notre projet. Les enfants aujourd'hui ont appris à préparer le savon liquide, mais après même elles ont préparé pour eux-mêmes et après maintenant c'est sur la fabrication de filets de ballon et puis des porte-ballons. Voilà. Nous avons un encadreur, un expert qualifié, monsieur Dr. Ballon, que tout le monde connaît ici. Et en termes d'autonomisation de ces jeunes filles, nous proposons cette activité-là pour que demain, ils puissent s'autonomiser et puis créer des activités générées de revenus. Avoir la volonté, la motivation de nos jeunes filles et certains garçons même qui se sont aussi impliqués, on sent que ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'apprendre. Tout se passe bien, elles ont maîtrisé l'information qui est passée. Sinon, vraiment, c'est appréciable. J'aime le volleyball parce que en voyant les petites filles jouer et les autres, comment ils jouent et ils voyagent, ça m'a vraiment plu. Moi aussi, j'ai décidé de participer et devenir quelque chose un jour. Pour cette formation, on a appris comment fabriquer le savon liquide, comment faire des filets, comment faire les filets à porter les ballons et autres. Après, peut-être que nous aussi, nous pouvons aider les autres à le savoir faire et fabriquer aussi des savons pour des usages domestiques et à vendre aussi un jour. J'aime bien le volley. Lorsque je joue, je me sens à l'aise, tout ça. On a appris comment fabriquer du savon liquide, comment fabriquer des filets pour porter les ballons et des filets pour jouer au volley. Oui, ça m'a vraiment plu. Grâce à ça, je peux faire beaucoup de filets et faire du savon liquide pour de l'usage domestique et peut-être vendre aussi. Je remercie beaucoup au nom de la mairie les initiateurs. D'ailleurs, ils sont devenus nos partenaires et d'ici peu, nous allons essayer de développer beaucoup de choses, surtout au niveau du sport. L'arrivée de ce projet dans notre commune, la commune d'Agouenivé numéro 1, c'est d'abord un atout pour nous parce que ça va contribuer au développement de la commune en matière de création d'emplois dont nous parlons aujourd'hui. À la fin de cette formation, je sais que beaucoup d'élèves que je vois ici vont devenir des fabricants de savon liquide.
Donc nous, à notre niveau, à la mairie, c'est un atout pour nous dans le cadre du développement et de l'initiative privée. C'est très important. À aller dans le sens de l'acquisition de tout ce qu'on leur demande de faire. Mais ici, dans notre centre, spécifiquement, c'est des jeunes dont l'âge se situe entre 10, 12, 15 ans. Donc, qui ne sont pas encore très matures, mais qui ont quand même besoin de faire cette formation. Nous avons aussi fabriqué le savon liquide qui vont leur permettre eux-mêmes d'abord de savoir ce que c'est et pourquoi pas de le faire à la maison pour leur propre utilisation. Parce que c'est un projet qui va prendre moins de temps et donc ce n'est pas sûr qu'à la fin du projet, tous vont jouer au volley. Par contre, à la fin du projet, nous sommes sûrs que ces jeunes, avec cette formation d'aujourd'hui, c'est des acquis qui sont là en permanence et qu'elles peuvent utiliser pour d'autres choses. Je tiens tout d'abord à remercier les responsables de l'association Femmes, Sport et Développement, mais je pense que la majorité des filles ont quand même assimilé ce qu'on leur a enseigné ce matin. Ça leur permettra d'être autonomes financièrement, parce que ce qu'on leur apprend aujourd'hui, elles pourront le mettre en pratique et elles ne dépendront plus forcément de leurs parents pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Premièrement, quand on est venu, on a pris le savon liquide, comment fabriquer ça. Maintenant qu'on a fini, on est venu commencer par fabriquer le filet. Ça m'a vraiment plu. Quand on sait comment on fait ça, c'est bien. Après les études, quand on n'a pas d'emploi, on peut faire ça en attendant avant d'avoir ce qu'on a fait. Nous sommes venus ici ce matin pour apprendre le savon liquide et comment tisser les filets pour faire le volleyball. Si je deviens grande et j'ai fini mes études, je peux fabriquer des choses pour vendre aussi. Ça peut m'aider dans quelques côtés. Et moi, j'ai décidé de jouer au volleyball parce que je veux devenir star, une fille leader et une fille capable de faire quelque chose. Je suis capable de faire ça. Thank you.
L'importance de ces activités pour les jeunes, c'est de pouvoir leur permettre, au-delà des activités sportives, qu'elles aient une formation pratique en termes d'activités génératrices de revenus pour pouvoir apporter un petit revenu à la maison. Donc c'est important pour nous pour que le sport ne soit pas seulement un lieu de divertissement, mais que ça soit également un lieu de formation de ces jeunes, que ces jeunes repartent avec quelque chose dans la main. Ça s'est bien passé. Je vois que déjà pour une première vue, elles ont maîtrisé la façon dont on peut fabriquer ce savon liquide. Elles peuvent le faire seules avec le kit de savon liquide. Pour le filet de volleyball, nous tous on le sait très bien que ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec les explications que l'expert leur donne, on pense que ça peut aller. C'est une bonne initiative. L'association fait un bon travail. C'est une manière de donner du travail à nos jeunes sœurs. C'est la promotion de l'auto-emploi. Donc la mairie a apprécié à juste titre le travail que l'association est en train de faire. Donc nous pensons que nous allons travailler avec l'association pour pérenniser donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. J'ai appris comment faire le savon liquide et le filet de volleyball. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui va m'aider à trouver de l'argent. J'ai appris comment on fabrique le savon liquide, j'ai appris comment on fait le filet de volleyball. Ça pourrait m'apporter demain, quand j'ai fini mes études, je peux faire ça, je peux les vendre aux gens demain. Je suis très contente parce que j'aime le sport. Et les filles, ce matin-là, je vois qu'elles sont en train d'apprendre comment faire le filet pour le volley-ball. Et ça m'a intéressée. S'il faut parler en termes de connaissances transmises ou bien de l'acquisition de cette première partie qui consiste à l'initiation, à initier les jeunes filles au volleyball, je dirais que c'est un grand pas que nous venons de faire. Et ce sont des filles qui n'ont jamais connu le volleyball. Elles ont peut-être une fois regardé un match de volleyball à la télé, mais dès que le projet est arrivé ici, elles se sont vraiment inversies. Et aujourd'hui, nous sommes à un stade où il faut faire une pré-évaluation. Et sans vous mentir, c'est vraiment encourageant. Je vois que les enfants sont arrivés à maîtriser beaucoup de techniques par rapport à ce que nous avons eu comme formation. Mais aucune œuvre n'est parfaite. Il reste encore à faire au fur et à mesure que nous évoluons. Thank you.
On a appris comment faire le filet du volley-ball et on a appris à fabriquer aussi le savon liquide. Oui, ça peut m'apporter beaucoup parce que après mes études, je pourrais moi-même fabriquer les filets ou bien le savon liquide pour la vendre. J'aime le volley-ball parce que ça m'apprend à me contrôler moi-même, ça m'apprend à parler devant un public. Je pense que nos objectifs sont atteints. Partout où on est passé, dans les quatre communes, les jeunes filles étaient vraiment dynamiques. Elles étaient impatientes d'apprendre un truc nouveau. Et à la fin, elles se disent, bon, on va aller quand même apprendre ça à nos parents, à nos sœurs à la maison. Au niveau des FESDEV, l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles et l'autonomisation de ces jeunes filles sont des objectifs que nous poursuivons. Et aujourd'hui, nous pensons qu'au moins une partie, hein, ce n'est pas totalement une partie de ces objectifs, sont atteints. Nous sommes satisfaits parce que avoir l'engouement des jeunes filles, avoir même l'adhésion, la présence des représentants des quatre mairies sur l'événement, je pense que ça va aller et que bon, on va finir dans de bonnes conditions ce projet.